Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge qui est sur Lilo et Stitch. Donc, comme chaque dernier mercredi du mois, c'est le Disney Challenge avec les copines. Donc là, on part sur Lilo et Stitch, bien évidemment. Je vais faire Stitch. Voilà. Et vous avez les vidéos des copines en barre d'infos qui sont bien évidemment Manon et Amy. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne si vous ne les connaissez pas encore, ce qui serait très étonnant parce que je vous en parle dans quasi chaque vidéo. Mais on ne sait jamais. Voilà. Donc là, j'ai juste fait mon teint et mon contouring. J'ai pas mis de blush parce qu'on va faire ça ensemble de suite. Donc je prends un pinceau blush et un pinceau highlighter parce qu'on va mettre aussi le highlighter, hein, quoique je vais peut-être le mettre au doigt. Donc on va déjà prendre le blush. Je vais prendre pour ça le petit ici, le blush de L'Oréal. Je ne sais pas lire la carte. Donc c'est un lumineux, c'est un que Manon m'avait envoyé. Et on va le monter très haut sur les tempes. Et au-dessus des joues aussi, puisque. Comment? Il a son petit bidou qui est rose, Stitch. Donc, on va quand même mettre un petit peu de rose quelque part. C'est pour ça que j'ai mis un top rose et pas un bleu. Pour pas faire trop du bleu, tout simplement. Attendez, parce que mon miroir, il est mal mis. Donc, je reviens sur les tempes également. Je reviens jusqu'à mon ras de cils ici. Je vais rajouter un peu. Voilà pour le blush qui est supralumineux. Ensuite, on va passer au liner. Alors, je prends le Pearls Gone Wild en teinte Hope de Kimchi Chic qui est magnifique. Magnifique, ma chérie. Donc, je vais le prendre au doigt. Donc, il a des petits reflets bleus et roses. Donc, ça tombe super bien. Donc, je vais en mettre un peu partout. Alors, si vous entendez blablater, c'est Georges. Hein, je suis désolée. C'est les congés scolaires. Je peux pas reprendre mes gosses. Voilà. Un petit peu sur le bout du nez et l'arc de Cupidon. Et je vais également en mettre sur mes paupières. Donc je n'ai rien mis sur mes paupières. Hein. J'ai juste mis mon fond de teint et poudré comme d'hab. Parce que. Comment? Ça va être principalement du travail de liner comme très souvent. Donc là, je l'étire ici. Donc j'ai décidé de me baser sur la forme alien de Stitch. L'expérience 6 de 6. Et pas sur sa version mignonne. Bien qu'elle ne soit pas hyper moche non plus, hein, mais c'est pas le plus beau des trucs. Hein. Alors, je vais commencer, je vais me rapprocher, hein, mais je vais commencer avec le split pastel et je vais prendre le bleu qui est juste ici. Bon, je crois que on a les deux teintes qui conviennent très bien à Stitch dans celui-ci. J'avais préparé mon autre palette, quoi qu'il est plus bleu ciel que turquoise. Donc, principalement, j'ai utilisé celui-ci et le bleu ciel ici. Là, donc c'est le split pool party. Voilà. Donc je me rapproche et on attaque ça. Je crois que les teintes, c'est à peu près ça. Donc on verra bien. Le rose, c'est peut-être un peu moins fuchsia que mon top. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, par où commencer? Je vais déjà commencer par préparer l'eau et les pinceaux. Je crois que c'est une très bonne idée. Donc je prends plusieurs tailles. Hein. L'eau, et je ne sais pas où j'ai foutu mon petit pot. Alors, je vais commencer avec le bleu avec un pinceau long. Donc, je prends le numéro 4. Je prends mon petit miroir à main parce que sinon je ne peux encore rien voir de ce que je vais faire. Et on est parti.
Alors, je vais commencer par faire mon creux. Hein, quoi qu'il est un peu trop clair. Ouais, il est mieux pour la teinte plus claire. Alors attendez, du coup, je vais quand même faire de l'autre côté parce que j'ai commencé. Voilà, donc je vais essuyer mon pinceau et je vais prendre un plus foncé du coup. Et celui-ci, j'ai un peu peur que ce soit de la même couleur en fait. Le bleu roi, ça sera trop foncé. Oh! Oh, on va devoir faire un mélange. Et celui-ci va être beaucoup trop. Alors, je vais voir ce qu'il donne celui-ci dans le néon. Ah non, celui-là c'est bon. Donc là, je prends le bleu du néon pour faire la partie la plus foncée. Alors, j'y vais au final. Hein. Je ne sais pas du tout. Je vais faire un double. Ensuite, on va passer aux espèces de plumes qu'il a sur le dos. C'est pas vraiment des plumes, mais bon. Donc, il en a trois. J'en faire une qui part comme ça en dessous du sourcil. Et en dessous. Petite dernière ici. Peut-être épaissir celle du orange. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus fine que les autres. Ok, alors tant que je suis dans cette couleur-là, on va passer aux Nantaines. Qui sont... ouais, c'est juste droit avec une petite bouboule noire au-dessus. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous le donne en l'œil. Je vais la faire partir de là. Donc bien sûr, on peaufine un peu. Du coup, comme j'ai débordé un peu, je l'étends. Hein, c'est truc à pas faire. Bon, elles sont pas tout à fait à la même hauteur, mais on dirait que ces antennes, elles ont bougé. Hein. Donc voilà pour les antennes. Alors, je vais garder le même pinceau, la même couleur. Et je vais faire des petits traits ici. Parce que j'ai envie. Voilà, tout simplement. Alors, pour ici, c'est des bouboules noires. Donc, je vais faire un au fard noir, mais je collerai un strass dedans. Mais de toute façon, je vais coller plusieurs strass hein, un peu à droite à gauche. Dans la fin des. Sa crête, je sais pas trop. Il y a un petit peu de noir et une bande bleu ciel comme ici. Donc, on va prendre un pinceau plus fin. Donc, ça, c'est le numéro 2 de chez Blisten. Je vais faire un. Un point, attendez, je regarde avec mon pinceau. Je prends celui-ci, il est assez gros. Comme ça, je prends le cucu du pinceau pour faire ici. Voilà, comme ça, après, je pourrais coller un strass dedans. Donc là, je vais faire les pointes de sa crête. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, il y en a une. Et voilà la troisième. Donc je rentrerai de liner noir après au-dessus. Hein. Ça, je peux mettre des faux cils. Ok, du coup, je vais faire montrer de liner noir comme ça, c'est fait. Et je crois qu'on est dans le thème quand même. Hein. Je crois. Alors ensuite, je prends le bleu ciel, donc du pastel qu'on a mis dans le creux ici. Et je vais faire un tout petit trait devant la pointe noire. Si je confonds mes couleurs de base, j'ai ça à faire.
Alors, il me reste à coller les fossiles, les strass, mais je vais quand même mettre un petit peu de rose pour faire un rappel avec le rouge à lèvres que je vais mettre. Donc, c'est le Cavity de chez Duvresa. Donc, je vais prendre un Dooting Tool. D'abord, un pinceau liner. Et je vais mettre deux petits traits roses ici entre les bleus. Et avant de coller les strass, je vais faire quelques petits points au Dooting Tool. Comme ça, j'ai un petit peu de rappel rose. J'aurais pu coller des strass roses aussi. Hein, mais... Voilà, donc mascara, fossile, rouge à lèvres, strass. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste. Et donc voilà mon interprétation de Stitch. Je suis contente, c'est à peu près ce que j'avais en tête. Les antennes, j'aurais bien aimé les faire autrement. Mais elles sont basiques, hein, ces antennes. Donc voilà. Mais on voit bien que c'est Stitch, je pense quand même. Dites-moi ça en commentaire. Mais je pense qu'on voit bien que c'est Stitch quand même. Voilà. Je vais demander à Georges de vérifier. Donc j'espère que ce make-up vous plaît, que le Disney Challenge vous plaît toujours autant. La prochaine fois, on se retrouve avec Hercule, qui est celui que Amy a choisi. Et on choisira nous trois autres dessins animés. Et je vous ferai le sondage sur Instagram pour savoir dans quel ordre on vous les fait. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos des copines, de leur mettre un max de pouces en l'air, de gentils commentaires, de vous abonner si vous ne les suivez pas encore. Et tout pareil ici. Voilà, un petit like, un commentaire, on s'abonne. Ça fait plaisir et ça encourage énormément. Ça aide beaucoup pour se faire un peu plus voir sur YouTube. Et donc voilà, nous on continue notre semaine Color Pop. Il reste trois palettes pour vous, me semble-t-il. Ça doit être bien, ça doit être bien ça. Donc on continue notre semaine Color Pop. On se retrouve dimanche avec le weekly vlog et après on reprend le planning normal. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, bisous.